déclare qu'il y a une partie de la semence qui est tombée sur le chemin. Sur le chemin, c'est ça. Et je te dis que ça, je présente des gens qui entendent la parole et la comprennent pas. Alléluia. Il y a deux raisons qui peuvent amener quelqu'un qui écoute la parole à ne pas la comprendre. Premièrement, parce qu'il n'a pas une vérité. Deuxièmement, parce que celui qui donne cette parole ne sait pas communiquer. Vous comprenez cela? Vous n'allez pas parler des enfants, pas des adultes. Vous devez dire des choses, mais vous dites ça, vous ne tenez même pas pour parler des enfants, vous parlez comme un enfant. C'est-à-dire qu'il faut parler à son niveau. Qui comprend? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça que les enfants, ils ont des marionnettes, ils ont ceci. Mais vous n'allez pas faire ça avec un adulte. Pourquoi? Parce que nous nous mettons au niveau des enfants, pour qu'ils comprennent. Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles parfois les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Soit parce qu'ils n'ont pas été bien disposés, soit parce que celui qui leur donne cette parole, qui leur enseigne cette parole, qui leur dispense la parole de Dieu, c'est des paiements comme une acteur. Tu connais la sanctification, c'est quoi? Tu connais, c'est quoi la sanctification? Tu connais pas ça? Non, est Jésus-Christ est notre appel, substitution. C'est quoi la substitution? L'autre voilà. Hein? Et quoi? Notre rédempteur. Rédempteur, c'est quoi? Rédempteur, l'un des rares enfants est toujours rédempteur, c'est que dans l'église. Et puis je vois des gars qui n'ont jamais été à l'église, mais qui ne comprennent rien, c'est la vie de l'église. Jésus est notre rédempteur. Il ne comprend rien. Rien et rien et rien. Il ne comprend rien. Rédempteur, c'est quoi? Oh frère, la rédemption. Non, tu ne poses pas la rédemption. C'est quoi la rédemption? Alléluia. Amen. Vous vous souvenez du Nicodème? Il y a un Judéen qui veut Jésus. Qui avait du mal à comprendre quelque chose. Il dit, Jésus avait dit, il faut que tu naisses de nouveau. Comment quelqu'un peut... Vous voyez, comment il interprète ça? C'est pas ça que Jésus dit. Comment quelqu'un peut entrer encore dans le ventre? Je suis déjà venu. Comment je peux encore entrer dans le ventre? Il ne comprenait pas. Alléluia. Amen. Donc, tu as besoin de la nouvelle naissance. C'est quoi une nouvelle naissance? Lui, si tu me poses la question que Nicodème, ça me dit, je n'en vois plus de ma mère. Oui. Alléluia. L'évangile, c'est pas un exercice de séduction de chat. Vous voulez vous impressionner. Non, oh, c'est pas ça. Vous gagnez. Pour le Seigneur. La personne soit supposée, non, je ne la présente pas sur elle. Le travail n'est pas fort. Alléluia. Amen. J'aime raconter cette histoire. C'est ça que je voulais déjà. C'est assez amusant. Il y a un frère qui est allé à une réunion à l'autre village. Ok? Parce que c'est là où se trouvait l'église. Et il a venu à 20h30. La réunion à l'église finit à 20h30. Donc il va revenir chez lui. Alors, maintenant où il est, et. Salut, le lieu de l'église, le village se trouve de l'église, où il y a. Et son village, il y a un cimetière au milieu. Il y a un cimetière. Donc, le frère, il a commis sa réunion. Il retourne, mais il faut qu'il retourne chez lui. Il fait tard, c'est vraiment une réunion qui est tard. Et ils ont dit, parce qu'il y avait aussi un monsieur, lui, c'était pas un chrétien. Mais c'était un chevalier, il rentrait chez aussi. Il s'est venu dans le même. Il semble que lui, c'était même traverser le cimetière pour aller aussi dans son village. Donc, il chemine ensemble. Il marche. Première chose que le soldat remarque, le frère ne parle pas. Il trouve ça bizarre. Et particulièrement au moment où vous allez, il commence à passer au niveau de allonger le cimetière. Le frère ne parle toujours pas. Donc, le soldat avait brisé le silence pour lui, mais depuis là, il ne parle pas, c'est quoi? Donc, le soldat veut lancer la communication. Et puis, il sort, il paraît, il a l'impression que
chrétien. Donc, la réponse est simple. Et c'est juste ce qu'il disait. Mais ce n'est pas pour ça qu'il devait dire ça. Il dit au cela, non, en réalité, je ne suis pas le seul monde. Je vous assure, vous longez le cimetière, l'autre dit demain, et toi tu lui dis, maintenant il faut même lui porter plainte. Pour que ma fille, parce qu'il y a même tout ma fille, je suis parti, je suis parti. En fait, le stress, en fait, c'est dit que non, je marche avec. Et pardon. Il n'est pas le seul homme, c'est pardon. C'est pardon. C'est que ça crée. Et c'est comme ça que bien de fois, les gens passent à côté de l'évangile. Il était innocent dans ce qu'il disait. Mais il manquait de sagesse. Il ne voulait pas, lui faire mal. Il ne voulait pas la pleurer, il ne voulait pas les prier. Il voulait juste dire quelque chose de son passionné tous les jours. Non, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Il ne faut pas que ça ait quelqu'un qui peut le comprendre. Tu as été à l'université. Je suis à la queue au restaurant universitaire. J'entends les élèves, les étudiants, en train de se moquer de ce que la Bible dit. Il vous dit que l'Église est l'épouse de Christ. Je vous assure, Nicolas, comme l'Église est l'épouse, maintenant je suis à une épouse. Non. En fait, vous ne comprenez pas. Mais. Il se moquait de ça. Donc, comment l'église, Jésus, l'église, l'épouse, pas l'épouse, l'épouse de Jésus. Il s'en moquait. Après, tu veux ça ridicule. Après, ça, c'est une image. C'est une relation spirituelle. Et nous sommes sur une autre manière. C'est nous, on comprend ça parce que nous sommes des choses spirituelles. Mais déjà que l'homme spirituel juge de tout. Nous jugeons de tout. Ça nous comprend tout. Des choses, des mystères, nous les comprenons. Les vérités cachées, nous les comprenons. Nous comprenons les sciences spirituelles, nous les comprenons. Amen. Alléluia, quelqu'un. Nous comprenons ces choses. Oh, nous comprenons ces choses. Nous pouvons savoir, oh, lui là, il a un problème spirituel. Il a tel problème, Pourquoi nous avons la connaissance spirituelle. Elle est extrêmement importante. Et les hommes n'ont pas cette connaissance. Ça veut dire que l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. L'homme animal, c'est quoi? C'est l'homme dépourvu du Saint-Esprit. L'homme animal, c'est pas celui qui a la tête d'un humain et puis les pattes comme l'éléphant. Non, c'est pas ça qui s'agit. L'homme animal, quand on parle de l'homme, il faut déjà l'homme animal. Quelqu'un peut comprendre cette manière. En fait, ça veut dire l'homme sans l'esprit. C'est ça l'homme animal. Alléluia. Amen. Donc, soyez parlé en vous mettant au niveau de la personne à qui vous adressez. Vous parlez d'un enfant, vous parlez d'un enfant. Vous savez que c'est un homme qui est très difficile. Acclamons le Seigneur. Thank you.
Mais pour que le nom, c'est votre côté de prière pour vous-même, vous ne pouvez pas le trouver. Jésus a marché sur les eaux de la mer. Comment on dit ça?